Ouais, c'est Gonzalo qui m'a sauté dessus et qui m'a un peu coupé le... qui m'a un peu coupé le nez. Une nouvelle blessure, non, je plaisante. Je suis très content pour l'ensemble de l'équipe parce que c'est une victoire qui manquait un peu un hold-up où on fait preuve de solidarité, de courage, d'abnégation défensive. C'est ce genre de match nous manquait. On avait fait de bons matchs dans le jeu, on avait fait des bonnes phases et tout. Mais là, ce genre de match nous manquait. Et ce soir, maintenant, va nous permettre. Ça fait notre deuxième victoire à l'extérieur après Monaco. C'est jamais simple de gagner à Nancy. Ils ont fait un très bon match et auraient pu l'emporter. Mais ça fait du bien d'avoir un scénario comme ça, pour une fois, pour nous. C'était arrivé contre Valenciennes, ça avait été l'inverse. Ce soir, on a un peu, on va dire, fait pencher la balance de notre côté à ce niveau-là, au niveau de la réussite. Mais on s'était dit avant le match qu'il fallait prendre les 3 points ici. Fallait gagner. Donc, fallait déjà revenir à la mi-temps en n'ayant pas pris de but. C'est ce qu'on a fait. Nancy s'était créé quelques occasions, mais on a tenu bon. Et après, le but de Dimitri récompense un boulot collectif. Et ça va nous faire du bien après d'avoir 15 jours de repos en célébrant cette victoire. C'était difficile, mais autant sur un plan personnel, j'étais pas inquiet après le match de dimanche contre Lyon, autant de samedi contre Lyon, autant ce soir je ne m'enflamme pas et je suis toujours dans le même état d'esprit. C'est fini, c'est oublié. Le prochain match contre Lorient, les compteurs seront remis à zéro. Je serai de nouveau jugé. Donc voilà, je vais juste savourer un peu avec ma famille demain. Mais dès lundi, on retourne au turbin, comme on dit.